Salut, c'est Astuce YouTube et moi le 435. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui tout simplement de comment avoir plus d'abonnés sur YouTube, d'avoir plus de vues sur YouTube. En bref, tu l'as compris, réussir sur YouTube. Donc, avant toute chose, il faut savoir qu'il y a plein de choses à mettre en place. Il y a euh, différentes choses à mettre en place. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, s'il n'y aura pas de hack, il n'y aura pas d'achat de vues, il n'y aura pas tout ça. Voilà les choses vraiment, euh, on va dire, euh, les, les choses illégales ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vais te donner, c'est des techniques pour réussir, des choses à mettre en place, et tu vas voir, euh, c'est ce qui va faire la différence, ce qui va te démarquer des autres, et tout ça, c'est ce qui va te former ton audience, et pour te permettre ensuite de réussir. Donc, tout ceci, on va en parler juste après, mais avant ceci, intro. voilà après cet intro donc euh, voilà ce qu'on va parler comme je vous l'ai dit en début de juste avant la juste avant l'intro ce que je vous ai dit c'est que on avait parlé des abonnés on avait parlé des vues on avait parlé euh, tout simplement de l'audience et de réussir sur youtube donc il faut savoir que youtube est une plateforme gratuite c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, qui, qui, qui qui est là pour euh, pour les personnes qui aiment les vidéos, qui aiment les tutoriels, qui aiment le divertissement, etc. etc. Donc moi ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est vraiment les clés pour euh, pour t'apporter euh, du bon pour te permettre ensuite de pouvoir développer ton audience et pouvoir réussir. Donc ça ne veut pas dire que euh, je vais être formal là-dessus. Hein, ça ne veut pas dire que ce que je vais te donner, ça va forcément euh, te développer ton audience. Euh, ça y est, demain euh, tu vas te faire euh, 1000 abonnés, tu vas toucher 100 000 vues, euh, etc., etc. Non. En fait, il y a des choses à mettre en place. Hein, donc je vais te les montrer. Je vais te montrer quelques petites vidéos comme ça de miniatures euh, vidéo et ça va te donner en gros euh, une, une image sur la construction et sur la base. Alors, j'en avais déjà parlé un petit peu dans certaines de mes vidéos. Par exemple, il euh, y avait une vidéo qui s'appelle, euh, euh, tu vas le voir à l'écran, hein, je vais te montrer la miniature, ça va être beaucoup plus simple, qui s'appelle euh, ici, comment faire une, ch une chaîne YouTube pour booster ses vues-là. Voilà, comment créer une chaîne YouTube de A à Z. Cette vidéo-là, en fait, elle va te parler du fait des de la bannière de ton YouTube. Donc ça, c'est très important. Ça va te parler aussi de ton logo profil, qu'il faut qu'il soit adapté avec ta bannière. Il y a des choses à mettre en ordre aussi sur ta page d'accueil, quand tu es sur ta page d'accueil. Donc ça, c'est très important. Parce qu'en fait, ta page d'accueil, c'est euh, tout simplement la présentation, c'est ce que les gens voient en premier. Donc de là, en fait, c'est ce que les gens vont tout simplement euh, se donner l'image sur ta chaîne. Donc ça, c'est très important d'en prendre soin. Et donc, euh, le, le, la chose vraiment importante, c'est ton nom de chaîne. Ton nom de chaîne est très important. Euh, il ne faut pas qu'il soit difficile à retenir et il euh, ne faut pas non plus qu'il y ait des caractères dans tous les sens qui soient très compliqués. D'accord Donc, euh, soit toujours, euh, soit toujours avec euh, ta bannière et ton logo, il faut toujours que ça soit à peu près coordonné. Ensuite, quand je parle de coordination, je vais parler par exemple sur ta bannière. Il faut que ce soit euh, coordonné, c'est-à-dire tout ordonné, c'est-à-dire que ta bannière il faut qu'elle soit visible sur téléphone portable, sur télévision, sur euh, PC. Il faut que euh, tous les textes qui soient écrits ça corresponde. Donc, moi, si tu, tu là, tu pourras remarquer que par exemple, si tu es sur un téléphone portable, ça sera pas la même chose que sur un PC. Mais par contre, euh, l'avantage que tu auras là, astuce YouTube le 85, découvrez nos chaînes par exemple, ici, tout ça on le verra sur différents. Types d'écran, voilà parce que j'ai mis en place tout simplement une technique au niveau de la bannière pour pouvoir tout simplement euh, que ce soit visible partout. Donc, ça, c'est l'une des astuces, d'accord. Donc, ça, j'en parle sur euh, une autre de mes chaînes qui s'appelle MWAL 85. Si tu connais pas la chaîne moi 85, je vais te présenter. Donc, c'est la chaîne qui arrive à presque 5000 abonnés qui est ici, tac. Et sur cette chaîne là, tu verras dans l'onglet vidéo. Tu verras dans les vidéos euh, les plus récentes, il y a énormément de vidéos sur, euh, enfin d'ailleurs il y a des playlists tout ça, sur euh, les stratégies YouTube et sur le développement, etc., etc. Mais il y a une vidéo aussi qui parle de, de bannière. Hein. Voilà, donc les vidéos s'affichent ici. Donc euh, voilà, la vidéo elle est là. C'est comment créer une bannière sans logiciel. D'accord donc là, tu peux aller voir cette vidéo-là si ça t'intéresse. Hein. Il y a d'autres vidéos également euh, que tu peux aller voir euh, sur, sur la chaîne. Hein, euh, par exemple, euh, euh, YouTube première, configuration plus test. Voilà, ça c'est pour les youtubeurs. Quand tu mets en ligne une vidéo et par exemple que tu veux être en live. Donc ça c'est important dès le démarrage d'une vidéo. Enfin voilà, tu navigues sur la chaîne, tu verras hein, comment atteindre 100 ou 1000 abonnés sur YouTube. Euh, avoir des, des, des intros très facilement là. Créer des intros ça c'est super facile à mettre en place tu verras je te montre des, des sites et tout ça pour pour faire tu verras qu'en moins de en moins de cinq minutes hein, ton intro elle est faite il hein, n'y a pas de souci hein. et gratuitement voilà donc euh, tu navigues sur la chaîne hein, tu verras les différentes euh, vidéos en fonction donc voilà ensuite sur la chaîne donc astuce youtube et moi le 85 euh, tu as des vidéos, euh, si, si, c'est pas anodin. Hein. Si je te montre ça, c'est parce que tu... c'est les techniques que moi j'ai testées, c'est les choses que, que, voilà, que j'ai mis en place et qui ont fonctionné tout simplement. Donc c'est pas pour rien. Hein. Si, je, si je mets ça, c'est que euh, c'est fonctionnel et je tiens vraiment à te démontrer comme quoi c'est fonctionnel. Donc pour ce faire, par exemple, les 100 premiers abonnés, si tu regardes bien cette vidéo-là, là, à l'écran, ça, c'est la vidéo quand j'ai parlé, en gros, euh, que j'allais me donner euh, ce, un petit challenge de 100 abonnés. Ensuite, j'ai fait une vidéo, la suivante, c'était j'ai obtenu, euh, obtenu tout simplement les 100 abonnés en peu de temps, et même euh, quasiment, je crois, plus de 300 abonnés en peu de temps. Et cette vidéo-là, ça démontre aussi ben, comment j'ai fait pour obtenir ces 300 abonnés. Voilà. Donc, euh, il y a bien évidemment d'autres astuces à mettre en place pour avoir des abonnés. Il euh, n'y a, euh, a pas que aller sur des lives ou quoi que ce soit. Il y a aussi, euh, tout simplement, quand tu es sur ta chaîne YouTube, par exemple, comme ici, tu vois dans l'onglet, euh, dans l'URL d'ici, paf, ici, ce qu'il faudra que tu rajoutes à la fin pour que les gens, en fait, quand ils cliquent sur ton, sur ton lien de chaîne, quand ils cliquent sur ta chaîne, eh bien, ça leur permettrait de pouvoir s'abonner en direct. Pour ce faire, tu vas faire tout simplement un point d'interrogation. Ensuite, tu as marqué sub en minuscule. Ensuite, tu as tapé euh, le, 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 petit, le petit tiret comme ça du 8 de ton clavier. Là, tu as tapé confirmation. Égal à 1. Tac. Et ça, ça veut dire en fait qu'une personne qui n'est pas abonnée à ta chaîne, si... Tu mets ce lien en description, ou tu mets le lien n'importe où ou quoi que ce soit, et que la personne clique sur ce lien, eh bien, la personne va avoir une petite, euh, une petite boîte de dialogue, enfin, une petite boîte qui va s'ouvrir, tout simplement, et qui euh, demandera la confirmation pour s'abonner à ta chaîne. Donc, ça, ça va te faire gagner des abonnés supplémentaires. D'accord Ensuite, le petit plus pour avoir, euh, par exemple, des vues, c'est de demander aux gens de s'abonner avec la cloche de notification, comme ici. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu sortiras une vidéo, eh bien la personne recevra ta vidéo. Donc ça, ce qui est bien avec le fait d'avoir YouTube Première comme ici, eh bien YouTube Première, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était pour faire des lives. Donc si tu mets une vidéo, par exemple, tu postes une vidéo, eh bien 30 minutes avant ta, ta, ta vidéo, si tu mets ta vidéo en YouTube Première, tous les gens qui auront la cloche comme ça de notification activée, eh bien recevront as euh, la, la publication comme quoi tu vas sortir une vidéo d'ici là une demi-heure Donc ce qui est bien c'est que bah, ça te permet tout simplement dès le début d'une vidéo dès le démarrage eh bien d'avoir des personnes sur ton live ce qui fait que ta vidéo elle est bien référencée dès le début d'accord Donc ensuite il y a des astuces maintenant on parle de référencement. Tu peux aller voir cette vidéo-là, là, référencer ces vidéos dans les résultats euh, du moteur de, de recherche Google et YouTube. Tu verras que dans cette vidéo-là, j'arrive à référencer mes vidéos dans les résultats. Et là, tu vas certainement te demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des, des techniques à mettre en place au niveau, de, au niveau des titres, au niveau des tags, au niveau de la description. Voilà. En fait, le principe c'est quoi Alors, je vais te donner une base, je vais te donner une petite, euh, une petite piste, un petit quelque chose qui va te, euh, qui, euh, qui va te plaire certainement. C'est tout simplement de mettre le, le titre que tu as, tu le mets dans ta description et tu le décomposes aussi dans tes tags. Par exemple, ici, comment avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube en 2019 Eh bien dans les tags, j'ai tout simplement mis euh, le mot comment. Euh, ensuite, j'ai mis le mot euh, certainement avoir plus de vues, avoir plus de vues sur sa chaîne, euh, chaîne YouTube. Euh, par exemple, j'ai pu avoir mis aussi avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube. Voilà, avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube en 2019. Tu mets un maximum de choses qui. Qui, euh, qui correspond en fait à ton titre, d'accord Donc ça c'est très important, si tu fais ça tu verras que tout simplement ta vidéo sera mieux, euh, sera mieux, euh, mieux référencée en quelque sorte. Voilà, donc c'est-à-dire que si une personne tape un mot-clé, elle a plus de chances, et eh bien tout simplement, de, de retrouver ta vidéo. Donc maintenant on parle de mots-clés. Donc euh, parlons des mots-clés. Tu vois, hein, c'est comme quoi c'est pas pour rien hein, que je te montre cette chaîne et que je te montre tout ça. Et en plus je t'en parle dans un ordre un petit peu comme ça, hein, parce que je le fais un petit peu en la vidéo, je la fais un petit peu en improvisé. Donc quand je te parle de mots-clés, tu peux aller voir cette vidéo-là, 4 sites générateurs de tags vidéo YouTube à connaître. Donc ça c'est vachement bien parce que ça va te permettre de trouver des mots-clés vraiment euh, pertinents pour, euh, pour tes vidéos. Donc ça c'est quatre sites qui sont gratuits, d'accord Ensuite... Euh, tu as aussi des extensions qui existent, qui sont gratuites et qui te permettent de faire des trucs, euh, des trucs, euh, on va dire, de fou. Parce que, parce que ça va te permettre de référencer tes vidéos vraiment au top ou quoi que ce soit. Donc il y a deux extensions qui existent. Il euh, y en a certainement d'autres, hein. ça il n'y a pas de souci, il y en a d'autres que j'ai testé aussi. Mais moi je trouve voilà, que celles-là elles sont vraiment sympas. Donc euh, tu peux aller voir tout simplement euh, ici c'est TubeBuddy et VidIQ. Donc là je présente un petit peu la différence entre les deux. Et ensuite dans cette vidéo-là, bah, je te fais tout simplement un tutoriel gratuit sur TubeBuddy avec les bases et tout ça. Voilà. Donc il y a d'autres fonctionnalités hein, qui sont quand même plus poussées. Moi j'ai la version gratuite, il faut le savoir. Mais en fait le fait d'utiliser euh, l'extension, plus j'utilise l'extension et plus j'ai des versions, euh, plus j'ai en fait des, des outils qui sont normalement payants. Et ben moi tout simplement, je les ai gratuitement. Voilà, donc j'ai le droit de les tester ou quoi que ce soit, donc euh, honnêtement, ça m'apporte que, que du bonus. D'accord Donc, ensuite, euh, ce qui va faire la différence euh, maintenant sur euh, ta chaîne YouTube pour euh, pouvoir évoluer, eh bien, c'est tout simplement aussi, euh, par exemple, si tu as une vidéo qui marche bien, c'est de créer un maillage entre, entre, entre tes vidéos. Donc là, tu vas dire un maillage, c'est quoi C'est tout simplement de faire basculer une personne d'une vidéo à une autre. Donc, pour ça, il existe les écrans de fin, il existe plein de choses, il existe également les playlists et il existe aussi une petite astuce qui s'appelle la playlist optimisée. Donc si tu ne sais pas c'est quoi la playlist optimisée, je te conseille d'aller voir la vidéo Augmenter, euh, astuce pour augmenter ses vues sur YouTube facilement. D'accord Très facilement. La vidéo, elle est là. Celle-là, elle parle de playlist et je te montre une petite astuce vraiment sympa et tu vas voir que ça fait toute la différence. Et ça, ça te bascule de vidéo en vidéo et c'est impressionnant. Moi, j'ai passé, euh, j'ai augmenté mes, mes vues de plus de 23% en l'espace de deux mois. Donc, c'est-à-dire que... Euh, ouais, enfin, voilà, je ne vais pas donner le calcul, mais euh, voilà, ça a augmenté mes vues de plus de 23%. Voilà D'accord. Donc, euh, je t'ai donné tous les points euh, parce que voilà, je vais pas faire une vidéo qui dure 20 minutes ou une demi-heure. Euh, à toi de naviguer dans chacune des vidéos. Si j'ai mis les vidéos dans cet ordre-là, il faut absolument que tu suives l'ordre. Donc c'est-à-dire tu vas commencer par celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, celle-là. Enfin, tu l'as compris, dans l'ordre. Suis les vidéos dans l'ordre et tu verras que ça t'apportera que du bonus. Et quand on parle de bonus, eh bien tout simplement, je te montre aussi euh, tout simplement le petit bonus de cette chaîne Mwall 85 si tu le sais pas. J'ai aussi des petites vidéos sur cette chaîne-là qui sont vraiment sympas avec une playlist sympa. Je te dis dit tout à euh, je te dis dit tout l vite fait, c'était euh, stratégie YouTube. Ah. Eh bien, je vais te montrer à travers aussi cette playlist qu'il y a plein de vidéos qui sont sympas là aussi. Hein. Donc là, c'est pareil, tu prendras les vidéos dans l'ordre... Et honnêtement, ça va t'apporter que du bon. Donc au total, il faut le savoir que je dois avoir 100 à au total une bonne centaine de vidéos faciles en stratégie et astuces YouTube. Donc vraiment, tu, tu peux naviguer, tu peux y arriver, tu peux faire exactement comme moi. Moi actuellement, je tourne entre 30 000 et 35 000 vues sur la chaîne Mbo85 par mois. Voilà, je tourne entre 30 000 et 35 000 vues par mois. Donc, euh, je sais que toi, tu peux y arriver. Si tu suis mes astuces, il n'y a pas de raison. Je pense que tu y arriveras. Donc, rien à voir avec le sub for sub je le répète. Rien à voir aussi avec le, les achats de vues, avec les bots, avec euh, enfin, les, les bots, les robots ou quoi que ce soit. Ou alors le, le, le spam dans les commentaires ou des choses comme ça. Parce que alors, ça, c'est terrible mais euh, ça, il y en a un petit peu marre d'avoir des spams. Abonne-toi à moi, euh, viens voir ma chaîne, patati patata. Ça, on en a tous ras bol honnêtement. Donc, il y a des façons aussi de c'est démarqué. Euh, de se démarquer de d'autres. Quand je parle de, comment, de commentaires, il faut faire des commentaires constructifs. Il y a des méthodes pour euh, pour faire venir les gens sur sa, sur sa chaîne. C'est pas euh, tiens, euh, viens t'abonner à ma chaîne. Il y a d'autres astuces, des astuces qui sont quand même plus euh, euh, des relations humaines, on va dire. C'est-à-dire, tu t'intéresses à une chaîne, tu vas voir une vidéo. et bien, la moindre des choses, c'est de laisser un commentaire à la personne et euh, de lui marquer que sa vidéo, tout simplement, elle est bien, elle est superbe. Bien sûr, il faut pas marquer des commentaires euh, en disant euh, c'est enfin, du, du n'importe quoi en disant du faux. Hein. Il faut quand même aller voir des personnes et donner des commentaires constructifs. Et vous verrez, les personnes qu'est-ce qu'elles feront Eh bien, euh, la plupart du temps, eh bien, elles reviendront vers vous, elles répondront à vos commentaires, ou alors elles s'abonneront à vous en retour. d'accord Donc après à vous de susciter un petit peu euh, l'interaction, c'est-à-dire à vous de, de chercher à avoir du contact. Et vous verrez que les autres personnes qui vous verront dans les commentaires apprécieront aussi des commentaires que vous laissez. Donc, euh, quand je parle de commentaires, il y a aussi l'astuce pour mettre des commentaires euh, dans différentes, euh, différentes couleurs, dans différents styles. Euh, je vais vous montrer ça. La vidéo, elle est ici. Donc, tu vois, là, je te montre un petit peu euh, la, la playlist, là, sur la droite. En haut à droite, tu vois, il y a plusieurs vidéos. Hein. Et donc, toutes ces vidéos euh, sur la droite de la playlist, eh bien, tout simplement, tu verras qu'elles peuvent t'apporter que du bon. D'accord Donc, on va descendre un petit peu. Je vais te montrer la vidéo pour euh, tout simplement les écritures spéciales et tout ça qui vont te permettre euh, de te démarquer des autres euh, dans les commentaires et bien d'autres, également sur les lives, également sur, euh, sur Internet, euh, sur ta chaîne YouTube aussi, changer un petit peu euh, l'interface de ta chaîne et tout ça. D'accord Donc je vais te montrer la miniature. La miniature de la vidéo, elle est ici, c'est modifier la police d'écriture de YouTube. D'accord Donc la vidéo, elle est ici. Donc si tu n'as jamais vu cette vidéo, honnêtement, je te conseille d'aller la voir. Voilà. Donc euh, cette vidéo maintenant touche à sa fin. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et puis euh, t'abonner avec la cloche de notification comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis euh, tu me laisses ton commentaire, tu me laisses quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison. Et puis si tu as besoin d'autres conseils, tu as besoin d'autres choses pour ta chaîne, tu veux que je vienne voir, tu veux que j'analyse, etc., etc. Et bien tu me contactes. Et puis il n'y a pas de souci, je te ferai ça avec... Plaisir. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, donc je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut